Hey, bonjour tout le monde, c'est Gwenaëlle, j'espère que vous êtes en pleine forme, en tout cas, moi je le suis, et aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Minecraft. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, je suppose que ça vous fait plaisir d'en revoir. Et aujourd'hui, nouvelle série qui commence, il s'agit d'une série modée en 1.12. Donc du coup, bah, c'est la première fois que je vais en 1.12, voilà, j'ai jamais joué en 1.12 pour l'instant. Donc c'est la première fois que j'y vais et j'ai décidé d'y aller avec des petits mods. Donc pour l'instant, il y a 46 mods d'actifs. Voilà, vous pouvez le voir là ici, juste en bas, enfin à droite. Voilà, 46 mods qui sont actifs pour le moment. Il y en aura peut-être plus par la suite, je sais pas encore. Mais pour l'instant, nous avons ceux-là et nous allons jouer avec. Donc petite précision sur l'aventure. On n'est pas en mode hardcore, mais j'ai installé un mode qui empêche la régénération des cœurs avec la nourriture. Donc ça fait que si je perds un cœur, eh bien, je ne pourrais le régénérer qu'en utilisant des potions, des pommes d'or ou alors des objets rajoutés grâce à ce mode. Donc des objets, c'est-à-dire nous avons des bandages et autres. Donc bon, je ne sais pas trop où ils sont ni comment les craft. Ah si, voilà, ils sont là. Donc voilà, donc on a différents types de bandages. Voilà, hop. Donc voilà, si je perds des cœurs, eh bien c'est la merde. Et là, j'ai déjà commencé à courir partout. Du coup, je perds de la nourriture. Et c'est pas tip top. Donc du coup, on vient d'arriver dans ce petit monde. Donc comme vous pouvez le remarquer, certains arbres ont des gueules assez bizarres. Voilà. Il y a des arbres modifiés, des structures, il y a des nouveaux mobs, des nouveaux animaux. Et là-bas, oh là-bas, il y a un village. Oh, dès le début, on tombe sur un village, les amis. Mais c'est pas bien ça. Ouh, petit freeze. C'est pas bien ça. Ouh, la porte, il y a une porte, ça me plaît pas. Bon, attendez, avant d'aller explorer quoi que ce soit, on va commencer par la base de la base. Oh, mon Dieu, il me fait peur. C'est méchant ça? C'était méchant toi? Crocodile Monitor. Donc, bon, ça a pas l'air méchant. Donc, on va le laisser. Voilà, il y a un mode aussi qui permet de défoncer les arbres en un seul coup, alors je ne sais pas s'il marche. Je crois que c'est avec une hache qui va marcher, alors on va voir. Allez, on va se faire un petit stuff de base. C'est parti. Y aurait-il pas de la caillasse dans le coin? Non, il n'y a pas de caillasse? Ouais, d'où tu me suis toi? Reste là où t'es, hein. Pas trop près, je fais pas confiance. Hop. Bon là c'est les débuts, hein. Voilà, l'épisode va être assez basique des souris Minecraft de base, mais je peux vous garantir que par la suite, ça n'aura rien à voir. Alors, hop, on va récupérer tout ça. De quoi se faire un petit four. Alors, sur la minimap qui est en haut à droite, on peut voir les mobs. Donc, tous les petits points rouges sont les mobs. Oh, il y a du fer ici. Les points gris, ce sont les entités passives, voilà, donc tout ce qui est animaux de base. Et le petit point bleu qui tourne, et ben c'est moi. Voilà. Hop. Hop. Ouais, alors le four aussi est assez bizarre parce que une fois que t'as fait cuire tes trucs, bah il te les recrache à la gueule. Voilà, donc en gros on va voir, je vais vous montrer, on va faire cuire un peu le métal qu'il y a là. Et une fois que c'est cuit, il va pas le garder dans son inventaire. Enfin, il va pas le laisser cuire, quoi, il va l'expulser dehors. Donc c'est un peu relou. Mais bon. C'est pas grave. C'est cool. Alors du coup, le mét... Non. Non. Ah, je vais galérer. Hein. Je vous dis, je vais galérer de ouf. Ah oui, alors quand on sneak, on peut voir, enfin on peut prévisualiser l'endroit où on peut placer les blocs, donc ça c'est assez cool. Alors, paf, voilà, on fout tout ça. On fout ça, voilà les trois. Et vous pouvez voir que... Non, j'ai pas le zoom, c'est vrai. Que ça cuit. Et que quand ça aura cuit, il va tout simplement le rejeter. Voilà, vous voyez, il rejette. Donc, il faudra faire un système de hooper, ou je sais pas, on verra par la suite. Là et là. Voilà. Regardez-moi ce magnifique feu de camp. Ah bah tiens, hop, toi. Allez, donne-nous de la viande. Allez. Malheur. Oh. Ah oui, il reste un cadavre en vrai. Ah, putain, il m'a fait peur lui. Waouh, malade mental, va. Bartoué, aïe. Ah oui, mais il faut vraiment que je fasse gaffe à mes cœurs, moi, c'est vrai. Je régène pas. Oh mon Dieu.
Ça va être la galère, mais un truc de malade. Alors normalement, ça, voilà. Aïe! Ah mais ça brûle! On va passer un feu à la fois. Un peu con. Et vous voyez, quand c'est cuit, ça le met sur le bord. Ah, ça récupère tout. Ah, faut attendre qu'il y ait tout qui est cuit. Ah, d'accord. Ouais, bon, je suis pas encore au point. Bon, en attendant, j'ai du métal ici qui a cuit. Alors, paf. Du coup, on va se faire... Oh, on peut faire une dague. Intéressant. Intéressant. Alors, on va récupérer la petite épée. Voilà. Ça, c'est le livre de Tinker Construct. Il me reste quoi? Il me manquerait un fer. Alors, est-ce que j'ai du bois? Oui. J'ai du bois. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Tu peux pas... Ça brûle pas, ça? Non. Ça cuit pas. Bon. Bon. On va faire cuire avec des planches, alors. Hop. Mais... Oh. Tu vas cuire, oui ou merde? Ah, bah quand même. Oh la vache. Putain, c'est dur. Hein. Bien, alors, maintenant qu'on a une épée, je vous propose d'aller voir là-dedans. Voilà, directement, on va se foutre dans la merde, parce que c'est cool. Bon, bah, je suppose qu'il faut rentrer par la porte. Hein. On va y aller legit. Alors là, il pense que je suis sous la grotte. D'accord. Ah, mais il y a une plaque de pression aussi, là. Oh mon dieu, le squelette. Oh non. Oh merde. Oh non. Squelette. J'espère qu'il n'y a pas de mob en haut. Oh. Il y a des trucs ou pas? Ou c'est juste une construction... for the fun. Eh mais... On s'est fait avoir là. Eh dites-moi. Eh, il n'y a même pas de coffre, dit. Eh oh. Oh, oh l'arnaque. Bon. Bon, on va aller voir dans le village s'il y a d'autres trucs. Je pensais qu'ils auraient pu mettre un coffre ou enfin un truc dans le genre, quoi. Même pas. Oh, les radins. Alors, on va redescendre, en espérant que le squelette ne soit pas là. Ça me ferait un peu chier. Alors, ça descend pas, hein, non. Bon, maintenant, on court. Waouh. Ah mais c'est squat. Ah oh mon dieu. Je sens qu'on va mourir dès le début. Oh là là, la horde de squelettes qu'il y a là, mon dieu. Bon, alors ça on va récupérer la table. On va récupérer le four aussi. J'espère que personne ne va m'attaquer par derrière. Hop, toi, casse-toi. Ça se récupère ça? Non, ça se récupère pas, juste ça se casse. Ok. C'est bon à savoir. Allez, on continue. Oh non, l'araignée. Alors il y a des petits cailloux aussi comme ça à l'extérieur avec du métal dedans. Oh, mon dieu, tous ces squelettes, non. Vite. Vite, vite, vite. Cours, cours. Ouah, mais c'est super beau. Ah oui, c'est des maisons qui se sont rajoutées au village de base en fait. Oh, trop bien. Ah oui, ah, c'est un escalier. Ah ouais, il y a même un étage et tout. Ouah, mais c'est trop bien. Oh, il y a des coffres. Attendez, il y a des trucs dedans? Oh oui! Ah bon, là, il n'y a rien. Mais là, en attendant, on a deux, trois petits trucs. Hop, voilà. Oh, le petit balcon privé, trop bien. Ah, on a spawn au meilleur endroit possible. Un truc de malade. Alors là, il y a encore une montée. Ok, là, du coup, en bas. Quoi, table de craft, ok, et dans les fours, il n'y a rien. Allez, rends-moi mon épée. Bien, 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 bien. Alors, je pense qu'on va rester dans ce petit village juste pour commencer l'aventure, après on ira voir plus loin. Là-bas, il y a encore des trucs. Oh là là, mais c'est trop cool. Oh. Et bref, vous avez compris. Il y a une île volante. Trop cool. Ah, coffre. Oh, des carottes. Un arc. En plus, on a récupéré des flèches. Non, je vais pas ranger ça. Ah, attendez, on va s'organiser. Voilà, on a besoin d'organisation. Et en vrai, cette petite maison là. Alors, ouais, l'autre est mieux quand même. Alors là-dedans, ça c'est une maison à double. Il y a.
Tu vois le squelette là? Hein, tu le vois là? Hein? Il est en planque. Bon, faut que j'arrête de prendre tous. Allez, meurs. Non, me tue pas. Ah ouais, non, mais sérieusement, faut que j'arrête de prendre tout ce que je vois là. Je vais être plein après. Acquiert. Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai un mode morph. Attendez. Comment il marche? Je ne sais pas. Bien, c'est bon, les amis, j'ai trouvé. Alors, attendez. Oh, le petit lézard. Oui. Morph. Ah, waouh. Attendez. Non, ça. Oh, regardez, je suis du petit lézard. Oh, regardez, tout petit. Trop cool. Putain. Ah, mais on peut se faufiler partout avec ce lézard, en fait. Oh, regardez ça. Ah, bon, ah, merde, il doit y avoir une herbe en face. Et... Regardez-moi ce petit lézard qui bug. Waouh. Ah ouais, mais attendez. Oh mon dieu, mais ça fait un X-ray de ouf. Ça fait un X-ray de malade. Bon, on va éviter d'utiliser ça. Bon, le zombie, le squelette, normal. Hop. Nice. Bah, c'est cool. Ah oui, regardez, des poissons. Regardez. Regardez-moi ça. Oh, c'est tout mignon. Oh, regardez, il est tout mignon. Allez, meurs. Viens là. J'ai le poisson. Bien. Oh, mais ça peut... Du coup, c'est-à-dire qu'on peut récupérer des poissons sans pêcher. Oh, parce que la pêche, c'est chiant. Oh, trop bien. Oh là, je suis trop content. Ah, mais on n'a pas vu la tour là-bas. On n'a pas fini d'explorer le village. Hop. Bon, je me récupère juste quelques poissons, comme ça on pourra aller les faire cuire. Plus, j'ai vu du charbon là-bas sur la montagne. Hop. Allez, meurs. Bien. Bien, bien, bien. Ah oui, aussi, j'en profite pour vous le dire. Si jamais vous êtes intéressé que je fasse une présentation des modes individuels avec lesquels je joue, c'est avec plaisir, voilà. Si vous voulez une petite présentation de mode, voilà, ça fera une petite série. Moi, je ne suis pas contre. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes pour une présentation de mode ou pas. Et puis, on avisera en fonction de votre réponse. Je vais d'ailleurs poster un sondage. Voilà. Ouais, voilà, on va faire ça en fait. Je vais mettre un straw poll dans la description. Je le posterai aussi sur Discord. Et vous me direz si vous préférez que je fasse une série présentation des mods ou pas. Voilà. Si vous êtes chaud, si vous en avez rien à faire. Voilà. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Faut que je fasse gaffe, hein. Je peux pas régénérer en plus. Oh, mon dieu, oh, le galérien. Et franchement, très franchement, cette maison d'extérieur, elle est super belle. D'intérieur, elle est un peu petite, mais je pense qu'on va s'installer là-dedans pour le début. Voilà. Pour le début, je pense qu'on va s'installer dans cette maison-là. Oh, là-bas, c'est quoi? Attendez, il y a de la terre noire là-bas. Ouais, on va aller voir après. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des fours, ok, il n'y a rien dedans. Non, il n'y a rien dedans. Non. Bon, voilà, on va voir. Eh, ça a l'air grand, ça aussi. Petit coffre. Non, pas de coffre. Oh, des lits. Un lit. Je prends. Je prends, je prends. Ah, si, quand même, un coffre. Il y a quoi dedans? Oh. Encore des flèches. Bon, épée en bois, on va prendre. Ça, je prends. Par contre, hop, la petite hache des familles. Bien, on commence à avoir un stuff pas trop dégueulasse. Et on a un bon point de vue en plus d'ici. Hein. En vrai. Ouais, cette maison est pas dégueu, hein, franchement. Franchement, franchement, je vous dis. On va aller s'installer là-bas. Alors, déjà, on va aller s'installer. Ah oui, mais en fait, le bas de la maison est tout fin, en fait. C'est pas large du tout. Ouais, Zef. Alors, bien, bien, bien. Alors, où allons-nous nous mettre? Bon, là, c'est un peu petit. Ouais, on va mettre là. Ici, en plus, il y a déjà les coffres. Alors, on va vider toute notre merdier. Hop. Voilà. On va le ranger. Paf, paf, paf. Voilà. Hop. Le petit tri des familles. Alors, du coup, on va garder. Alors, l'épée en fer, on garde. L'arc, on garde aussi. Les flèches aussi. La pioche, bien évidemment, la hache.
Table de craft, non. Le lit, on va le poser. La nourriture, oui. Voilà. Quelques blocs, ça fait toujours du bien. Le four et la table, on va le poser ici aussi, même s'il y en a en dessous. Alors du coup, le lit, on a dit. Paf. Ah, mais il y a encore un étage. Ah, mais j'avais pas vu. Ah, mais le vent. Ah, mais c'est hyper grand. Oh, un livre. So quick. By Jessie. Ah, mais c'est encore hyper grand. Oh la vache, non, mais il y a déjà un lit ici en plus. Mais c'est parfait. Mais les gens, il y a tout ici. Bon, du coup, le lit, pas besoin de le poser. Ah, mais ouais, mais carrément qu'il y a tout ici. C'est trop bien, attendez. On va déplacer les coffres au-dessus, il y a beaucoup plus de place. Quelle idée de s'embêter à laisser tout là. Hop. Bah voilà. Regardez. On a même un petit champ personnel. C'est-tu pas bien ça? Oh. Cette maison est juste parfaite. Baie vitrée, petite table. Franchement, moi, j'ai rien à redire. Alors, on va les mettre où nos petits coffres? Bon, on va mettre un là, ben, l'autre au-dessus, voilà. Hop. Alors là, on va foutre tout ce qui est outils, voilà, donc c'est-à-dire ça, ça. Le lit, voilà, ça, hop, petit tri. Là-dedans, on fout tout le reste. Oui, bon, oui, tout le reste, hop. Paf, 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 paf. Du coup, on va manger. Hop. Donc là, on a le lit. Ah, bon, dès qu'il fait nuit, j'irai dormir. Là, on a encore un petit coffre perso. Ah, c'est cool. Franchement, c'est cool. Bon, je risque de mourir. Très vite, par contre. C'est un peu un problème. Mais bon, tant pis. Hop. Hop. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh, c'est chez moi, ça? Non, mais oh. Il s'est cru tout permis, lui. Eh bien, écoutez, les amis, je vous propose d'aller voir le petit biome noir là-bas. Assez particulier, comme on pourrait dire. What? Mais ils sont chelous, ces arbres. Ils sont grave bizarres. C'est quoi comme bois? Ça se mine? Ça se récupère? Attendez, on va essayer. Ouah, mais ça a l'air tellement bizarre. L'arbre le plus chelou du monde. Ah! Ah oui, c'est vrai. Waouh, ça se coupe d'un coup, c'est vrai. Avec une hache, effectivement, le bois se coupe d'un coup. Bien, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc? Darkland Oak Sapling. D'accord. Comment on peut voir les recettes? Comme ça? Non, bah attendez. Ça s'appelle comment? Darkland. Alors, Dark. C'est ça. Bien, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. D'accord, avec ça on peut faire une canne à pêche, des échelles. Ça c'est quoi ça? Des rails? Trappe d'or, ok. Ouais, ça c'est pour Tinker je crois. Ouais, c'est ça, les escaliers. Ah ouais, en fait on peut faire... C'est quoi ça? D'accord. Et ça? Cobblestone upgrade kit. D'accord. Ah donc en fait on peut faire plein de trucs. Fuel, ça cuit, d'accord. Lava wood? Non, on peut faire du bois de lave? Ouais. D'accord. Darkstone Sword. On peut faire des armes aussi? 5 de damage. Est-ce que j'ai moi? Ça en fait 6. Attends. Ouais, c'est ça. 6 et ça. 5. Ouais, pas rentable. Pas rentable. Du tout. Oh là là, il y a plein de trucs. Oh mon dieu. Bon, bah c'est super. Alors bah écoutez, voilà, on va arrêter l'épisode ici. Prochain épisode, plusieurs objectifs. Pas mourir déjà. Premièrement. Et deuxièmement, on ira essayer de voir l'île qui flotte là-bas. Genre, je crois qu'il y en a plusieurs. Oh non, zombie villageois. Je crois qu'il y a plusieurs îles flottantes. On essaiera d'aller les voir. Ça pourrait être intéressant, je pense. Je sais pas du tout ce qu'il y a dessus. Hop, voilà. Et après, toi, tu dégages de ma maison. Je sens que je vais mourir. Mon Dieu. Vite. Rentrons chez nous.
Hop, on va aller dormir, voilà, et on va clôturer l'épisode sur ce beau sommeil. Hop. Voilà. Et ici. Nice, cool. Ah, c'est super. Franchement, c'est super. Donc du coup, prochain épisode, on ira voir les îles flottantes. Donc il y en a deux, il y en a une là-bas, je sais pas si vous voyez. Voilà, il y en a une petite là-bas et il y en a une autre donc juste là-bas. Donc on ira voir ces îles et on ira visiter un peu, essayer en même temps d'aller miner. Voilà, on ira miner de suite pour aller se trouver des pommes d'or, enfin de l'or et se faire des pommes d'or. Ou faire quelque chose parce que là j'ai 2 cœurs et demi et très clairement 2 cœurs et demi ça va pas le faire. Donc voilà, écoutez les amis, j'espère que ce premier épisode de la série modée vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez également suivre le Twitter et le Discord dans la description. Sur ce, c'était Gonelf. Bye bye! Thank you.